on remarque que la gamme est majeure. Voilà l'accord arpégé depuis la note Sol, qui représente la note fondamentale. Écoutons maintenant les deux premières mesures pour identifier si le rythme est simple ou composé avec son chiffrage. On remarque qu'il y a 4 coups, donc le rythme est simple en 2 sur 4. Bravo, la voix basse des deux premières mesures comporte sol et fa dièse. Trouvons les figures de notes. Effectivement, nous avons sol blanche et fa dièse blanche. Écoutons maintenant les notes de la voix soprano des deux premières mesures. Oui, bravo, les deux notes concernées sont si et ré. Trouvons les figures de notes. Nous avons si blanche et ré blanche. Concernant les notes des voix, alto et ténor, nous allons appliquer les règles d'harmonie classique à la fin de notre dictée. Maintenant, écoutons les deux premières mesures et les deux mesures suivantes afin d'identifier les deux notes de liaison des voix, basse, ensuite, soprano. La note de liaison basse est la note mi. La note de liaison soprano est la note Do. Continuons maintenant l'écoute des deux mesures en cours numéro 2. La voix basse comporte Mi blanche et Ré blanche. La voix soprano comporte deux sons, Do blanche et Ré blanche. De la même manière, continuons notre dictée jusqu'à la fin.